Bon matin tout le monde. Sixième journée sur la traversée des sentiers en Estrie. Là, je suis en train de descendre la 4 km du Mont Feuille parce que j'ai couché au sommet vu que j'avais pas de place pour moi au lac Stouclet parce que c'était le prochain camping que je visais. Là, ben, je comprends un peu l'intérêt de venir skier au Mont Feuille. Au sommet, c'est encore plus fou. Là, j'ai descendu un peu parce qu'ils vendent pas mal. Mais la vue est folle. C'est quelque chose. Je l'ai fait à un moment donné, le Mont Feuille, en hiver. Mais tu sais, j'ai pas profité de la vue plus que ça parce qu'il ventait gros. J'avais juste hâte de redescendre pour arrêter de geler. Mais là, pour le réveil, là, c'est vraiment un spectacle magnifique. Fait qu'aujourd'hui, on se rend au lac Stouclet. C'est un peu comme hier avec le Mont Feuille. C'est l'objectif ultime parce que ça va être l'équivalent d'une journée, pas tout à fait et demi. Là, parce que je me rends compte qu'hier, finalement, ça a été peut-être une journée et deux tiers. Fait que là, aujourd'hui, je descends le Mont Feuille, je traverse la 112, puis après ça, on va tomber dans la zone Bolton. Puis cette partie-là, je l'ai déjà faite. C'est à peu près, j'ai vu une quinzaine de kilomètres à faire. Ça devrait être une bonne journée, mais je pense qu'il n'y a pas trop de dénivelé parce que par bout, on est sur le bord des marécages. Je vais descendre le Mont Feuille. Surtout, je vais essayer de me trouver de l'eau. Parce qu'hier, la source que j'ai trouvée, c'était un trou d'eau. Ça fait qu'il a fallu que j'écope avec ma petite tasse, aller ramasser le peu d'eau qu'il y avait, mettre ça dans mon filtre, après ça, filtrer l'eau. Puis vu que je joue hier, j'ai fini mes dernières gorgées avant de me coucher. Ça fait que là, je vais descendre, essayer de me trouver de l'eau. Après ça, je vais pouvoir faire mon café. Puis là, on va pouvoir dire que la journée commence. Mais là, je me suis levé de bonne heure parce que je voulais être low profile. Je vais pas laisser de traces au sommet. Puis en plus, qu'ils vendent tout. Ça fait que là, je me suis pressé de descendre tout de suite. Ça fait que là, je vais descendre la 4 km. Je vais fourcher dans le petit sentier de l'Estrie qu'il y a pour qu'on puisse descendre vers la 112. Puis après ça, on va essayer de trouver un setup là, pour déjeuner. Au moins boire mon café. C'est pas mal la priorité, mais pour ça, ça me prend de l'eau. Priorité numéro 1, de l'eau. Deuxième priorité, café. Je me suis trouvé une belle source d'eau. Juste en passant en avant du sentier. Je vais pouvoir enfin déjeuner, me brosser les dents. On va se faire un bon café avec ce qu'il y a là-dedans. Ah. Je suis chanceux, il reste encore des cerises dans les arbres. Il n'y en a pas des tonnes, mais... C'est bon. C'est bon dans la bouche. Tiens. La zone Harford est finie. Je m'enligne sur Bolton, la zone Bolton.
pour me rendre ce soir, si ça va bien comme prévu. Jusqu'au camping du lac Trousseur, je pense que c'est le même que ça se dit. Fait que j'ai hâte de voir. Dans mes souvenirs, c'était pas un dénivelé de fou. Fait que ça devrait être chill parce que là, j'avoue, mes chevilles ont payé. J'ai la cheville droite pas mal molle. Je me suis ramassé la tête à l'heure. Hier aussi, une couple de fois, la moindre roche qui est un peu ronde, faut que je me tienne debout. Faut que je me retienne avec mes bâtons, puis des fois que c'est pas assez. Là, des fois, c'est le genou il plie, puis bang à terre. Fait que je fais attention parce que je veux la finir cette trail-là. Je veux pas me ramasser à l'hôpital, là, ou genre caler ma blonde pour dire ben là, je me suis blessé, viens me chercher au parking S17. Je suis pogné là, la cheville enflée. Je veux pas ça. Fait que je fais attention. Là, je vois qu'il y a bien du monde au parking. Fait qu'il va y avoir du monde dans les sentiers. Mais c'est le fun, ça fait de la compagnie. Ça fait changement parce que je le sais que plus tard, il y aura pas grand monde. Fait que je trouve aussi bien de profiter du fait qu'il y a du monde dans les sentiers. Je peux jaser un peu, faire la promotion de ma chaîne. Jaser de mon histoire. J'aime bien ça faire un peu de relations publiques. Fait que ben, je vous laisse, moi je traverse la route, puis je m'enligne dans la zone Bolton. Tiens, sur cette magnifique vue du mont Offord, je m'apprête à rentrer officiellement dans la zone Bolton. Je m'en vais sur le sommet du mont Chargnon. À 3,2 km. Sûrement que ça va être avant ça, je vais dîner, parce que là, il est 11h30. Fait que je ne sais pas aussi que ça va se passer, mais c'est clair que je ne prendrai pas le temps d'aller dîner au sommet du mont, parce que il va me manquer de gaz, je pense. Parce que là, je commence officiellement comme la journée qui est assez dulée pour demain. Là, je vais me la taper au complet la journée de demain, genre aujourd'hui, pour me rendre au camping. Puis après ça, il va falloir que je vois ma cédule. Il y a peut-être, comme je disais hier ou avant-hier, là, que je vais faire des demi-journées si t'es là, pour essayer de rattraper comme les campings qui sont comme entre deux chaises, là, qui sont pas tant accessibles non plus. Il y en a un qui est apparemment qui est fermé, là, celui du Mont Foster. Ça me met un peu dans le caca parce que j'avais cédulé mes runs par rapport à ça. Mais le Mont Foster est pas loin de la route, puis c'est juste pour faire de la route, ça va quand même aller assez vite. C'est peut-être là que je vais faire genre deux journées en une pour arriver à Westfield. Mais en tout cas, ça, c'est des prédictions. Là, on commence par ça, puis après ça, on verra comment ça se passe. Quand je vois des feuilles par terre de même, ça me donne l'impression que c'est des enfants de maternelle qui sont venus éparpiller le bricolage par terre. Les feuilles sont tellement... sont tellement rouges puis quasiment opaques. C'est super beau. On dirait quasiment justement un bricolage d'enfants de maternelle. Ouais, ben ils ont installé des belles petites marches. Ça doit pas être pour rien. Ça doit monter, ça fait que là, je pense que je vais en profiter pour réenlever mon manteau. Parce que j'ai dîné, puis là, j'avais fret, ça fait que là, entre les deux, pour garder ma chaleur, je me suis rabrié. Mais là, il commence à faire chaud, puis surtout si je suis pour monter ça, je suis aussi bien d'enlever une épaisseur. Ouais. Bon, là c'est rare que je fais ça, là, mais là je pense que je vais faire du bashing. Regardez ça là. Ça, c'est supposé d'être un sentier qui est cartographié par GPS. Mettez au moins des balises parce que là,
C'est bien beau avec un téléphone, tu marches dans le foin, à travers les branches. Je pense que le gars, il a fait ça en plein hiver. Là. D'après moi, c'est ça qui s'est passé. Il a pris son GPS, il dit, hey, on se fait une trail. Il fait juste taguer ça par GPS, mais aucun plastique en nulle part, rouge et blanc. Je sais pas où c'est que je m'en vais, tu sais. Puis pour moi, aujourd'hui, c'est une grosse journée. Je n'ai pas de temps à perdre dans le bois à me demander qu'est-ce qui se passe ici, là. Hey, là, je suis pas content. La seule affaire qui est bon là-dedans, c'est que j'ai réussi à croiser un ruisseau. J'ai pu me remettre de l'eau dans ma gourde. Ben, c'est pas un ruisseau, là. C'est toujours un trou d'eau, là. Tu sais, tous les ruisseaux sont à sec. Là. Tout ce qui reste, c'est des mares. Ben, on finit par attacher ma sangle. Bon. Le seul indice qui me dit que c'est peut-être ici que ça se passe, c'est que comme un semblant de foin tapé par là. Mais moi, je suis semi-allergique au foin. Là, je sais pas si ça me tente de mettre mes pantalons longs parce qu'il fait chaud. Mais tu sais, ça, c'est correct. Là, tu sais, on va faire avec. Mais au moins, mettez-nous des pancartes en quelque part, là. Tu sais, j'ai comme entre 300 et 600 mètres à faire là-dedans. Là. Tiens, un chemin forestier. Bon, là, ça a plus d'allure. Sauf qu'il n'y a pas de tag en nulle part. Je le sais-tu, moi, que c'est ici, là, tu sais? Heureusement que j'ai mon GPS. Pour avoir traîné ma carte, j'aurais tellement tourné en rond que j'aurais juste à virer de bord, puis après ça, je m'aurais collé un taxi, j'aurais été directement au camping. Calique! Au moins, tu mets quelqu'un, puis tu dis, toi, au mois de mai, là, à la minute qu'il n'y a plus de neige, là, tu mets des pancartes rouges et blanches là, sur les arbres. Puis plus tard, on enverra quelqu'un avec une débroussailleuse. Mais là, au moins, faites quelque chose pour nous autres. Là, moi, mettons là, que moi, il y a une gang qui me suit en arrière. Hey, c'est le fun ce qu'elle fait, je veux faire la même affaire. Puis qui arrive ici, ils vont vouloir m'arracher la tête. Moi, je veux pas ça. Bon, je suis content, je suis retourné sur un chemin de terre. Ça va me permettre au moins de récupérer un peu de temps par rapport à mes pertes de temps là, dans le foin, chercher des balises. Ça n'aura pas été une journée facile, même si à la fin, ça va être une journée où je vais avoir fait gros du kilométrage de toute façon. C'est parce que le seul impact que ça a, ces affaires-là, c'est que je perds mon temps. Mais on randonne. Donc, je ne peux pas dire que du temps, c'est de l'argent. Je ne suis pas payé pour faire ça. Bon, pour surfer un peu sur ma vague de bashing de tout à l'heure, peut-être un problème qu'il y a de bénévoles. Parce que là, encore, il n'y a pas de balise en nulle part. Je ne sais pas c'est où qu'il faut que je rentre. Là, à cause de mon téléphone, je le sais. Laissez-moi vous montrer en temps réel où c'est que je suis. Je suis direct dans la trail. Voyez-vous l'état du sentier? Même dans les sentiers frontaliers, c'est pas pire que ça. Puis j'étais écœuré. Ce qui est triste, c'est que c'est une belle ligne droite. Tu sais, si je suivais ça, là, tout de suite, là, je serais l'autre bord. Bien, en tout cas, pas tant l'autre bord, là, mais... Hey, imaginez-moi, là. Là, je viens de frapper un cul-de-sac. Je suis à pied, je suis pas en char, là, moi, là. C'est quoi mon alternative? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Va falloir que je prenne la route, qu'au lieu de me prendre 3 heures, ça va peut-être m'en prendre 5, 6. Je vais faire du chemin de terre. Puis à un moment donné, je vais arriver à un stop, je vais tourner à gauche. Je vais continuer encore sur le chemin de terre. À un moment donné, je vais tourner à droite. À un moment donné, je vais prendre un petit chemin de chalet. À un moment donné, je vais finir par prendre le bord de l'asphalte. À un moment donné, je vais finir par me ramasser au camping. Mais quand? La trail est hors usage. Je n'irai pas risquer de me perdre là-dedans. Pogner des tiques. Là, je suis allergique au foin. Me gratter pendant 3 semaines en revenant de cette maudite randonnée-là. Là, je peux comprendre que
cette zone-là est pas tant populaire, là, tu sais, c'est pas le mythique, il y a pas de monde. Fait que là, le monde sont pas comme, ah, il faut qu'on absolument, là, qu'on fasse un beau sentier pour aller au Mont Chagnon et il faut qu'on accède facilement au Mont Offord. Là, ici, c'est comme un no man's land. C'est pas une raison pour abandonner le secteur. Là, j'ai pas d'alternative, moi, là, à part les sentiers de l'Estrie. Il va falloir que je fasse du chemin de terre à côté. Il va falloir que je me fasse ma propre trail, mais ça va être chemin de terre par chemin de terre par chemin de terre. Il va falloir que je me rende au camping comme si je serais en char, mais je vais être à pied, ça va me prendre des heures et des heures. Pff. Là, je regarde All Trail, s'il n'y aurait pas une alternative, là, une trail de quatre roues qui piquerait à travers à un moment donné. Là. Parce qu'il y a un genre de marais en plein milieu de nulle part ici, puis il n'y a rien qui passe à travers. J'ai checké vite vite tout à l'heure. Là. Là, je fasse du pouce. Ça, je viens de devoir de passer le char, c'est peut-être ça ma solution, il faut que je fasse du pouce. Calme. Dans ma recherche d'alternatives pour le sentier, on fait quand même des belles rencontres. Ils sont venus me voir. Ils étaient curieux de savoir qui marchait là, dans le chemin de même. Comment ça, je ne suis pas en train de me promener avec eux autres? Ça doit être ça qu'ils se disent. Ils trouvent ça plate. Ils aimeraient bien ça, faire des sentiers de l'Estrie avec moi. Ben non! Ça a l'air que ça va être pour une autre fois. Ouais. Ben là, je suis batté. Parce que mon alternative est ici. C'est un domaine privé. Parce que je regarde toutes les alternatives, c'est la seule que j'ai. Sinon, ben, là, appeler un taxi dans le bois, je vais peut-être me risquer de me faire revirer de bord. Puis si je pogne personne qui m'a revirer de bord, ben, yes sir, je vais l'avoir eu. Mais là, je suis comme, je tente le diable. Si le monde sont sympathiques et qu'ils me voient à pied, ils vont le dire, il s'en va pas briser quelque chose. Il s'en va pas voler quelque chose, Krim, il est à pied. J'espère que je vais réussir à passer et que je vais me rendre jusqu'au bout parce que j'ai pas d'alternative. Là, tous les chemins qu'il y a ici, là, ça va tout. Ça finit en cul-de-sac partout. Lui aussi, mais c'est parce qu'il y a une petite trail de travail. Puis la trail, je sais même pas si ça passe. Je te dis, je suis vraiment mal à marcher, là. J'ai comme pas de solution. Fait qu'on va marcher, puis au pire, on me colle un taxi, puis moi, si je suis pas capable de faire ça d'une traite, là, je vais tirer la plug sur le projet, là. Moi, c'est, je suis le même. C'est noir ou blanc. Ça marche ou ça marche pas. Ben, tabouin, j'ai pogné une réunion de je sais pas trop. Ça doit être les résidents du coin qui étaient drette à l'entrée du chemin que je devrais prendre. Que je devais prendre, ouais, c'est ça. Je vais finir par le dire. Puis, j'ai pu leur poser la question, savoir si c'était une alternative en comptant un peu mon histoire. Puis, on dit que oui. Fait que je suis bien content. Mais, je leur ai promis de tenir ce petit bout de chemin-là mort. Mais, je pensais que le bug serait. Dans le coin du Mont Glen, on sait que cette bout-là est fermée. Mais ici, virtuellement, il ne l'est pas, mais physiquement, ça ne marche pas en tout, pas en tout. Il n'y a pas de balise, le foin est haut, oublie ça. Puis là, en plus, tu arrives, tu es dans un chemin de terre. Là. C'est dur d'en revenir à la maison dans ce temps-là, surtout quand ton char est à l'autre bout du monde. Là. Puis moi, je veux continuer mon aventure. Mais tu sais, des fois, tu croises des bonnes personnes qui te permettent de continuer à avancer. Je les remercie. C'était ces gens que je vais tenir dans le secret. Ces gens-là m'ont aidé. Mais en échange, que je tienne cette petite passe-là anonyme. Donc, je vais garder cette information pour moi. Ce sera à vous, éventuellement, de faire votre propre voix. Malheureusement, c'est pas facile, les sentiers de l'Estrie. C'est pour ça que j'ai décidé de rebaptiser cette aventure dans les sentiers en Estrie. J'ai pris des chemins de terre, j'ai pris des petites passes qui sont pas tant legit. Mais pour se rendre jusqu'au bout, il faut ce qu'il faut. Ouais, ben ça va bien. Je me suis trouvé une coupelle de pente sur le bord du chemin. Puis enfin, on est arrivé au camping. Le lac Trouser. Puis, il est pas tard, il est 5h25.
Fait que je vais aller m'enregistrer. J'ai déjà réservé ma place. Il en restait une, je l'ai pris tout de suite. Ça aurait été le bout du bout là, avec cette journée-là, de ne pas avoir de place pour dormir. Là, on va essayer de trouver l'accueil. Puis on va aller se ramasser une petite liqueur. Apparemment qu'il n'y a pas de bière. À la recherche de l'accueil. Bon, ben, asseoir. On mange des belles petites nouilles sidekick que j'ai pognées à la CEPAC du lac Stoutelet. J'ai ramassé tout ce qui traînait. Il y avait 300 enveloppes, j'ai tout pris. Avec ça, pour mettre un petit peu plus de protéines, un petit bâtonnet de fromage. Puis là, je viens de finir mon petit sachet de salami que j'ai pogné à l'épicerie dans mon bout. Puis aussi, j'ai sorti ce que j'ai pogné au dépanneur. Du bacon. Puis c'est du vrai bacon. Hey, c'est bon, ça, de la viande. C'est un bacon qui est frette, mais moi, pas regardant, moi. En autant qu'on ait quelque chose de bon à manger, c'est vraiment bon. C'est sûr, comme je dis d'habitude, là, les nutritionnistes vont me garrocher des roches. Mais, tant que c'est bon dans la bouche. Là, ben, on a eu du gros service au camping Trouser. Je me suis fait livrer mon corps à domicile avec mon bois de poêle. Puis là, il va falloir éventuellement que je parte ça. Puis, je pense que ça va être ça, ma soirée. J'ai eu une petite coche sur mes pieds. C'est faire autant de millage à un moment donné, ça n'a comme pas le choix. À un moment donné, il y a un pied qui a payé. Il y a une petite ampoule qui s'est faite en dessous de la plante des pieds. J'ai réparé ça tout à l'heure. On espère que ça va bien aller demain, parce que demain aussi, ça va être une grosse journée. Mais faut qu'on s'endure, hein? Mais demain, ça va être gros. J'ai un petit 8 km à faire en milieu forestier, genre. Puis après ça, ça va être bien de la route. C'est, je tombe dans la zone où ce que le Mont Glen, où ce qu'on se ramasse un cul-de-sac. Ben là, je sais que on sort du Mont Glen, puis on fait une courbe là. On va chercher, je sais plus trop quelle route là, principale. Là. Mais je vais marcher jusqu'au bout. Moi, je ferai pas de pouce. Je veux vraiment aller au bout de cette histoire là. Comme aujourd'hui, j'aurais été déçu de ne pas pouvoir le faire au complet à pied. Ça m'aurait assez déçu, j'aurais tout laissé tomber. Mais là, j'ai réussi par je ne sais pas trop quelle chance, croiser du monde qui m'ont autorisé à passer sur leur terrain pour pouvoir me rendre de l'autre côté du lac. Merci à ces gens-là. Puis ça a fait que finalement ma journée s'est bien terminée parce que quand je suis arrivé au bout du chemin qui adonne proche du camping, mais c'était à peu près à 30 secondes. Là, je suis sorti du chemin puis je voyais les roulottes. Ça, c'est encourageant. Je pensais faire encore 15 minutes, 15-20 minutes, une demi-heure de marche. Quand je suis arrivé là, c'est rien qu'à 5 minutes. Ouf, ouf! Ah, je te dis que ça replace les choses. Ouais. J'étais un peu découragé là, quand j'étais arrivé au cul-de-sac là, dans le rang, là, parce que j'avais plus d'accès, à part si j'osais aller sur un terrain privé puis risquer de me faire pogner. C'est ce qui est arrivé, mais en jasant avec le monde, ils ont compris un peu mon histoire puis ils m'ont laissé aller. Ouais, c'est ça. Quand on se fait aller à la trappe, des fois, ça peut être payant. Fait que là, ben moi, je vais vous laisser là-dessus, puis... C'est l'Halloween au camping, c'est drôle, on voit les enfants passer. Là. Ils sont déguisés, l'autre bord. C'est ça que j'aime dans un camping de ce genre-là. Tu sais, dans le bois, c'est beau, t'es tranquille, mais moi, je suis un gars social bleu. Ouais. Puis j'aime ça, même si je socialise pas tant que ça. J'aime ça voir le monde passer autour de moi, puis être vivant, avoir du plaisir, puis là, les enfants qui se déguisent. Ça, j'aime ça. Fait que là, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, puis n'oubliez pas, pour aider ma chaîne, abonnez-vous.
Puis en vous abonnant, actionnez la petite cloche pour avoir en primeur les nouvelles de mes vidéos quand elles arrivent. Après ça, ben partagez la vidéo, puis mettez un petit pouce en l'air pour aussi m'encourager, pour me dire que ça va bien mon affaire, puis je vais finir par l'avoir. Même si aujourd'hui, j'étais un peu découragé, je savais pas si je finirais cette aventure-là ou si je laisserais tomber. Mais là, ça c'est bien terminé. Fait que yes, sir, on continue. On va pogner 100 km. Là, il va falloir que je fasse mes calculs, là, mais c'est sûr que c'est demain qu'on pogne ça. Ou, mystère, vous allez le savoir en même temps que moi, je pense. Je vais vous souhaiter une bonne soirée.